Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Robin Hood, Sherwood Builder et plus particulièrement sa démo Bandit's Trail. Alors le descriptif nous dit « Robin des Bois est un jeu d'action-aventure combinant des éléments de RPG et de construction où l'on joue le rôle d'un héros classique combattant pour la cause des opprimés de la tyrannie ». Il n'y a aucune date de sortie, même pas une année, c'est juste marqué prochainement, du coup pas de prix non plus, c'est un jeu purement solo, cette démo propose le français, ce qui est plutôt cool, et on va tout de suite découvrir ce qu'il en est. Robin of Locksley survived the burning sands of faraway lands as he served his role in the Unforgiving Crusades. He emerged unscathed from deadly skirmishes just to become an exile and face mightier enemies in his own home country. After his previous hideout in Silwich, which was razed to the ground, the forests of Sherwood granted refuge to him and his retinue, while its new rulers threatened all. King Richard the Lionheart's untimely demise plunged England into chaos and left roving bands and their petty warlords free to fight amongst themselves for territory and influence. The Sheriff of Nottingham, a murderer and usurper, exploiting the pervasive lawlessness, pillages one area after another, increasing his power and leaving the poor residents of Sherwood at the mercy of wild fate. Oui, violent le passage de la cinématique au jeu. Alors, bouger, oui. Donc, clavier américain, d'accord. Là, on peut sprinter, là, on peut se mettre accroupi. Ok. Alors, je dois aller par là. Sélectionner le mode de combat. Dynamique précis, mouvement libre pendant l'attaque, pas de ciblage des ennemis, verrouille les mouvements pendant l'attaque, ciblage des ennemis. Ouais, dynamique. Choisis le niveau de difficulté. Méchant. Bon, l'intro, c'était l'histoire de Robin des Bois, hein, classique. Introduction. Alors, l'objectif principal du jeu est de libérer les quatre régions du centre de l'Angleterre de la domination du shérif de Nottingham et de ses sbires. En éliminant les ennemis et en aidant les personnages sans défense à travers des quêtes et des événements, augmentez votre réputation dans la région. Atteindre un score de réputation de 40% dans une région déverrouille la possibilité de commencer sa mission principale. Ah, d'accord. En parcourant les régions, tu rencontreras de nombreux événements et quêtes qui te rapprocheront de l'objectif principal de l'aventure. Voici quelques-uns des événements auxquels tu seras confronté. Sauve des villageois de l'exécution, les escorter et sauver les kidnappeurs, attaquer les convois, défends le peuple contre les chevaliers corrompus. Le développement de ton personnage dépendra de l'utilisation efficace des points de compétence et l'expansion de ton propre village, ce qui te permettra de fabriquer les objets nécessaires, d'acquérir des capacités spéciales ou de produire les matières premières nécessaires. D'accord. J'ai pas d'armes là. Alors, ça c'est mon inventaire. D'accord, donc là j'ai tout mon système d'équipement. Si, j'ai une arme. Ah, et dans mon inventaire j'ai une épée. Je peux pas mettre mes flèches là. Pour l'instant, je peux rien faire. Donc là, j'ai le journal, les quêtes actives, les tutos, les quêtes terminées, les lettres, l'histoire. Ça, c'est l'arbre de compétences, okay, qui a l'air quand même pas mal. Là, j'ai la carte. Alors, donc là, on est au village de Robin. Ah oui, c'est grand quand même. Donc là, on a la première région, j'imagine, en vert, la deuxième région en jaune, la troisième région, je dirais que ça a l'air d'être ça, et la quatrième région, le grand bleu, là. Réputation non acquise, ennemi au camp, colline de redstone, quête disponible, d'accord, donc on voit un petit peu tout ce qu'on va devoir faire. Donc il fallait qu'on parle à Frère Tuck.
Nutrition et hydratation. N'oublie pas de vérifier régulièrement ton indice de faim et d'hydratation. Si tu négliges l'une ou l'autre de ces actions, cela pourra avoir des conséquences fatales. Tu rencontreras de la nourriture simple en explorant le monde ou en l'achetant à des marchands. Tu peux construire une cuisine dans ton village où tu pourras cuisiner de meilleurs mets. Heureusement, les choses sont un peu plus faciles avec l'eau. Il te suffit de trouver un puits et d'avoir les bonnes bouteilles vides avec toi. Ne te laisse pas abuser. Cependant, les bouteilles d'eau et les potions sont des objets très importants dont il faut prendre soin et dont il faut se débarrasser avec sagesse. Plus d'une fois, ils peuvent faire la différence dans la réussite d'une mission. D'accord. Ah oui, j'ai une bouteille vide. Bah je vais voilà, je vais artisaner pour faire une bouteille pleine. Bonjour frère Tuck. I always worry when you're away from home for long, Robin. Alors, je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Audio dialogue. Voilà. Juste pour pouvoir vous le lire, ça sera plus simple. Je m'inquiète toujours lorsque vous êtes loin de chez vous pendant longtemps, Robin. Mon bon frère, le shérif affrontera la mort bien avant moi. Toujours aussi insolent. Je suis heureux de vous voir en bonne santé, mon ami. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas en danger cette fois. Nous sommes en sécurité ici. Je ne peux rien faire après la terreur que les hommes de la couronne ont fait régner sur nos terres et notre ancienne maison. Cette fois, ils ne nous tomberont pas dessus. Nous sommes bien cachés, j'y ai veillé. L'ancienne colonie était si bonne, je ne vous connais que trop bien, renard rusé. Vous complotez pour riposter. Ce qui compte, c'est que tout le monde s'en soit sorti vivant. Après avoir vaincu Henri le Noir et libéré Marianne, le shérif a perdu tout son sang-froid. Je dois arrêter l'ennemi avant qu'il ne devienne trop puissant. Les ennemis, le roi et le shérif ne s'arrêtent pas à leurs propres hommes de main. On entend sans cesse parler de nouvelles canailles qui sévissent dans les environs de Nottingham. Les alliés du roi sont de plus en plus nombreux. Certains sont achetés avec la cession de terre, d'autres sont menacés de mort et de confiscation. Nous devons affaiblir l'emprise du roi et du shérif si nous voulons nous sentir en sécurité ici. Tout récemment, Petit Jean a eu sa tunique coupée. On ne peut pas prendre des risques comme ça. Il s'en remettra, vous le connaissez. Nous avons chacun notre croix à porter, vous le dites vous-même. C'est bien dit, vous avez peut-être raison, cette colonie semble sûre. Cette fois, personne ne nous trouvera. Il est temps de tirer une flèche en plein tête. En plein dans le cœur de la bête, en plein tête, oui. Je vous crois, cher Robin. Mais avant cela, vous devez reprendre des forces. La création d'un nouveau village est un travail épuisant. Mangez quelque chose, buvez un verre, reposez-vous dans votre maison, nous en reparlerons plus tard. Équipement et inventaire, voilà à quoi ressemble ton inventaire. Tu peux y trouver tout ton équipement. Tu peux y accéder à tout moment en appuyant sur la lettre I. Maintenir tab enfoncé pour y accéder pendant le jeu. Tu peux également utiliser les éléments du panneau d'accès rapide en appuyant sur les touches numériques correspondantes. Ton sac à dos a une capacité de transport limitée. Au fur et à mesure que tu progresseras dans l'arbre de compétences, tu pourras augmenter de l'espace de stockage. Occasionnellement, des objets spéciaux apparaîtront dans ton inventaire et tu ne pourras pas les jeter. Ils sont généralement associés à des tâches à accomplir. Ces objets ne pèsent rien et ne prennent pas de place. Dans le monde, tu rencontreras plusieurs ensembles d'armes. Chacune d'entre elles se compose de 7 éléments. Les armures, les gantelets, les pantalons, les bottes améliorées et les compétences de Robin nécessaires au combat. Les pièces telles que la capuche, le col et la cape sont des objets qui n'affectent que l'apparence. Sans armement, la forêt de Sherwood serait invivable et impossible à survivre, même pour un hors-la-loi habile. Un armement spécial peut être fabriqué à l'aide du bâtiment de tissage qui peut être construit dans le village. Les armures peuvent seulement être échangées contre d'autres armures ou vendues à un marchand. Il faut cependant garder à l'esprit que les fabriquer et les assembler n'est pas une chose facile. Les objets dont tu ne veux plus dans ton inventaire peuvent être jetés par terre. N'oublie pas cependant qu'ils disparaîtront très probablement de façon irrémédiable après un certain temps. Si tu ne veux rien perdre, mets-les en lieu sûr, de préférence dans ton coffre. Manger de la nourriture et boire de l'eau. Je peux pas le manger là directement ? Faut que je le mette dans ma barre. Dormez. Mince, je voulais pas reboire. On va se refabriquer 2 bouteilles d'eau. Des trucs par terre là, des pierres. Ça y est, c'est la mort, je commence à ramasser des trucs. On va aller se reposer hein, avant que ça dégénère. C'est le dodo ça? Non, ça a l'air d'être là-bas le dodo. Ouvrir tonneau. Ou prendre.
Mais c'est de la bouffe, ça, c'est important. Mais non, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de... Là, je vais tout ramasser, ça va mal finir. Dors bien. Dormir est important. Cela te permet non seulement de sauvegarder ta progression, mais aussi de restaurer ta santé. Cherche les endroits marqués par des hiboux et des lanternes, c'est là que tu pourras te reposer. Attention cependant, après avoir dormi toute la nuit, ta faim et ta soif auront raison de toi. L'état du jeu est automatiquement sauvegardé chaque fois que tu t'approches du panneau indicateur ou maître d'écurie ou que tu t'y rends. Cela ne se produit pas pendant les combats, les événements et les situations liées à certaines quêtes. Et ça, c'est mon coffre. Ça, j'imagine que je mets ce que je veux dedans. Machine à sous gratuite. Hein? C'est quoi cette trace dégueulasse? Emplacement libre. Je pense que c'était ça. C'est traduit en machine à sous gratuite. En même temps, libre, free, gratuit, ouais, ça se tient. Et emplacement. Comment on peut arriver de emplacement à machine à sous? Oui, j'ai dit que je ne le ferai pas. Du coup, je le fais. En fait, comme j'ai vu qu'il y avait le coffre, je vais tout mettre dans le coffre de Robin. Oui, du bon outil de réparation. Ça peut peut-être être bien d'en avoir. Crochet. Ah non, les crochets, on les garde. Les pierres, je suis pas sûr que j'en ai besoin là tout de suite. Du pain. Je vais garder les pommes, ça me fera à manger. Voilà. Voilà, comme ça j'ai un début de quelque chose dans l'inventaire et puis j'ai stocké dans le coffre. Oh, j'ai raté le truc. Et que je reparle à Frère Tuck. Avez-vous déjà réussi à vous reposer? Mon ami, je ne cesserai jamais d'être étonné du peu de sommeil dont vous avez besoin. Ce n'est pas sain. C'est bon pour vous tant que vous prenez l'eau et le vin, mon bon frère. Je ne me laisse pas influencer par cela. D'ailleurs, ceux qui dorment ne pêchent pas. Je garde mon vin. Je savais comment vous réagiriez. Calmez-vous, Tuck. Votre réserve de tonneau est en sécurité. Je pense que oui, c'est une réserve stratégique en temps de crise. Certainement. Pas un mot de plus. Je suppose que vous avez si bien dormi que vous avez égaré votre arme. Où est votre arc? Cette fois, je n'ai rien perdu. Je l'ai cassé pendant une chasse. Nous avons eu tellement de travail avec la construction d'un nouveau village que je n'ai pas encore eu le temps d'en fabriquer un nouveau. La forêt n'a pas été tendre avec nous ces derniers temps. Mais... le pire est derrière nous. J'ai cru que j'allais éternuer. Et vous pouvez maintenant fabriquer votre arc en toute tranquillité. Prenez une hache et abattez quelques arbres. Le bois devrait suffire pour l'arc et les flèches. J'ai ici une corde de chanvre, cela devrait faire office de corde d'arc. Et toute l'aide dont j'ai besoin. Merci, Tuck. Je sais à quel point vous tenez à votre arme. Veuillez à la fabriquer, mais revenez tout de suite. Notre village a besoin de votre aide. Alors, tu m'as filé la hache? La vision du chasseur. Ah oui, non, ça je peux. D'accord, ça c'est l'artisanat. Ah oui, je pensais que je pouvais équiper, mais non, ça c'est l'artisanat. Donc on va couper du bois. On peut couper le... Non, j'ai pas l'air de pouvoir couper ça. Tu pointes vers où là? Je suis où moi? Je suis là? Ah, faut que j'aille là, d'accord. Pas du tout où je suis. Faut que je remonte, j'imagine. Les contrôles sont un peu bizarres. Enfin, là, oula. Je trouve que le personnage a une sorte d'inertie très étrange. Mais bon, on est dans une version démo, hein. On va pas le juger là-dessus. Là-bas, ok, c'est ces arbres-là qu'il faut que je coupe. Ah, il peut pas monter là, bien sûr. Ah.
un village à construire. Pourquoi tu me mets ce tuto là d'un coup comme ça? L'expansion de ton village est un outil qui te permet de te développer et d'acquérir de nouvelles compétences. Cependant, avant de pouvoir commencer à construire des structures, tu dois déraciner suffisamment d'arbres. Pour te déplacer en mode construction, utilise les touches directionnelles, la caméra peut être tournée. Au fur et à mesure que tu développes ton village, tu peux choisir l'un des petits arbres que tu veux abattre et construire un bâtiment d'intérêt à sa place. Les arbres que tu coupes de cette façon sont stockés, rien n'est perdu. N'oublie pas que tu as besoin des bons ingrédients pour construire. Les ingrédients de construction et la nourriture pour les colons qui travaillent doivent être placés dans un magasin de construction spécial. Ils seront utilisés automatiquement pendant la construction. Le nombre de résidents volontaires est étroitement lié à la population du village. Pour augmenter la population, tu dois construire des cabanes spéciales dans les arbres. Chaque bâtiment possède des caractéristiques uniques qui te permettent de progresser dans des missions de plus en plus difficiles. Les bâtiments du village sont divisés en 4 catégories. L'artisanat permet de produire des objets spéciaux et uniques tels que des barres, des armures, des potions, des épées, de la nourriture. Des bâtiments spéciaux sont chargés de la production de matières premières. Ils te permettent de déléguer aux habitants de ton village des travaux tels que la chasse, la coupe d'arbres, l'extraction de matières premières, ça c'est bien. L'apprentissage de compétences te permet d'améliorer tes aptitudes à la chasse, au tir à l'arc, au combat de mêlée, décoratif avec lequel tu peux soigner l'esthétique de la colonie en érigeant des clôtures ou des allées. Si tu veux construire un bâtiment ou une structure, tu dois placer l'ingrédient nécessaire dans l'entrepôt du village. Los edificios so pueden gestionar. je sais pas, je... Ah oui, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait cette langue-là, moi. Moi, j'ai fait allemand. Alors, c'est ça que je devais couper. Acquisition de matières premières. Extraire des matières premières est un travail difficile, mais tu peux accélérer et améliorer ton travail. Tout ce que tu dois faire lorsque tu mines, c'est frapper au bon moment. Je mine pas. Indiqué par l'icône du curseur et réduit le temps de l'énergie. Les outils et les armes ont leur propre niveau de durabilité. Lorsqu'un outil ou une arme tombe en panne, il suffit... Tombe en panne. Oui, la hache tombe en panne. Il te suffit généralement d'en fabriquer un nouveau, cependant si tu t'es exceptionnellement attaché à l'un de tes outils, tu peux utiliser sur lui le précieux et difficile à trouver kit de réparation. Chaque outil que tu utilises a son propre niveau d'affûtage, il détermine le type de matière première, d'accord. Pourquoi tu me remets la caméra comme ça? C'est pas top. Allez, on est reparti. Ah, j'ai plus d'énergie. J'étais mauvais dans le... Ah, voilà. Artisanat et développement du personnage. Avec les compétences d'artisanat, tu peux facilement créer des objets de base, sélectionner un objet qui t'intéresse dans l'inventaire, règle la quantité. Les objets qui nécessitent un équipement plus spécialisé comme les épées te demanderont de retourner au village et d'utiliser les bâtiments spécifiques. Tu as besoin d'expérience pour acquérir de nouvelles compétences ou développer celles que tu possèdes déjà. Tu peux en gagner de différentes manières, en combattant des ennemis, en accomplissant des quêtes, en exploitant des matières premières, en chassant, en cueillant, en construisant. Les points de compétences peuvent être utilisés pour développer l'arbre de compétences ou dépensés pour développer les bâtiments du village. La connaissance et le pouvoir, les points de compétence peuvent également être trouvés dans le monde sous forme de livres ou de parchemins. Trop de tutos. J'ai passé plus de temps à lire des tutos qu'à jouer là depuis tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai eu tout le tuto de construction de village alors que je suis pas du tout en train de faire la construction de village et je m'en souviendrai certainement plus quand il faudra que je fasse la construction de village. C'est triste. Donc il me faut un arc. J'artisanat. Ok, je vais mettre l'arc en 1. Et je vais me faire des flèches. Ouais, 40 flèches, c'est bien. Hop. Parlez à Tuck. Bonjour, Tuck. Avec un tel arc, vous n'avez rien à craindre. À moins que vous ne vous mettiez à dos Marianne en lui demandant de cuisiner pour vous. Même l'acier le plus pur et l'eau bénite ne vous serait alors d'aucun secours. Les temps sont révolus. Nous nous sommes expliqués et nous avons convenu que je ne referais pas cette erreur. En parlant de ça, tu l'as vu quelque part? Soyez tranquille, cette fois-ci personne ne l'a attiré dans un piège. Elle est partie aider les habitants, elle reviendra plus tard. Ça lui ressemble. Vous avez dit que vous auriez besoin de mon aide? Oui, nous avons besoin de beaucoup de choses, la nourriture avant tout. Un meilleur archer ne pourrait être trouvé dans tout Sherwood. Avant de partir prendre aux riches, peut-être pourriez-vous utiliser vos compétences pour nous aider. J'essaierai volontiers le nouvel arc. Allumez le feu, nous faisons un rôti ce soir. Je laisserai la viande dans la réserve. Tous les habitants du village travaillent si dur qu'un petit festin devrait leur remonter le moral. La grande chasse. L'un des moyens de se procurer de la nourriture est de chasser. Heureusement, les forêts environnantes ne manquent pas de gibier. L'œil vif d'un chasseur permet de repérer les endroits où les proies sont les plus faciles à trouver. Les cerfs et les créatures très alertes et prudentes sont...
Les cerfs sont des créatures très alertes et prudentes et sont parfois difficiles à chasser. Il est important de les approcher avec précaution et d'utiliser tes compétences de tir avec confiance. Pour utiliser un arc, il te suffit d'avoir quelques flèches dans ton carquois et une main libre pour la corde. Les sens sensibles sont l'une de tes compétences les plus importantes. Leur développement affecte de manière significative le gameplay. Il est possible de les améliorer en développant la cabane du trappeur dans ton village. Le sens du chasseur et le sens du pisteur sont les plus utiles pour la chasse. Cependant, n'oublie pas de développer également ton intuition et ta vue perçante. Il est très utile lors de la chasse, comme lors des combats, d'utiliser le mode de temps lent sur F. Grâce à lui, tu pourras mieux contrôler. D'accord. Faut que j'aille par là. Faut que j'aille par là très loin. Et j'ai pas vu que ma soif et ma faim commencent à descendre un peu. Ça dit quoi là? Ça dit que je suis quasiment où il faut. Alors c'était quoi le sens du chasseur? Ouais bon, à part ramasser des fleurs pour l'instant. Ça lui sert pas à grand chose. C'est où que je vois qu'elle se recharge? Ah d'accord, tout en bas. Il y a un coffre et un tonneau. Bah, on prend, hein, y a du loot. On va pas dire non. Je pense qu'il faut... Ouais, faudrait que je remonte un peu. Un ennemi ça ou... Oui t'as raison mais le maintenant... La forêt est pleine de dangers, tu viens de rencontrer l'un d'eux. Heureusement Robin n'a plus d'un tour dans son sac pour les contrer. Il existe trois types d'attaques pour... Donc les attaques de base, les attaques directionnelles et les attaques spéciales. Les attaques de base permettent de combiner jusqu'à 4 coups selon le niveau de compétence de Robin. Chaque attaque successive du type basique peut être remplacée par n'importe quelle autre attaque, mais mettra fin à la série de frappes. Robin commence son aventure avec 2 attaques de base et une attaque spéciale. Les autres compétences doivent être apprises en s'entraînant dans les bâtiments du village concerné. Tu peux bloquer les attaques entrantes avec le bouton droit. Si, mais j'ai pas d'épée. En fait, tu me donnes les tutos de l'épée, j'ai pas d'épée. Tu peux esquiver les attaques en appuyant sur barre d'espace tout en te déplaçant latéralement ou en arrière avec le bon timing, cela peut te sortir de sérieux ennuis. En parlant de timing, tu peux aussi entrer dans un état de ralenti, n'oublie pas que toutes tes... Oui, c'est bon. Trop de tutos, à n'importe quel moment, j'espère que ça sera corrigé dans la version finale. Non, j'étais persuadé de l'avoir... Je pensais que le tir à la tête tuerait. Ah, je récupère mes flèches? Ou j'ai récupéré des flèches? Ah, ça serait intéressant à savoir, ça faudra que je vois sur... sur les animaux. Mais je peux pas looter plus. Non. Ah bah, il y a un petit coffre quand même. Ouais, ça avait pas l'air fou ce qu'ils avaient. Moi j'ai essayé d'aller au-dessus à l'origine. Je sais pas comment on peut y aller. Voilà. Non, je ne peux pas monter. Peut-être que si je fais tout le tour à la rigueur. Après, pourquoi je vais aller au-dessus? Ah si, j'ai l'impression qu'ils sont surtout au-dessus. Hein. C'était là-bas qu'on pouvait monter. À tous les coups, là, on peut pas monter, c'est qu'une falaise tout du long. Zut. Eh ben, on est reparti dans l'autre sens, on va essayer d'aller en haut. Ah, j'espère vraiment qu'ils vont régler les tutos, là, parce que trop d'infos, trop d'un coup, de tutos pas forcément utiles. Là, on est en train de chasser avec l'arc, et on a mis le tuto sur l'épée. C'est un peu illogique.
Là? Non, mais il y a un... Si, là, ça passe. Mais il y a un tonneau. Des tonneaux dans des endroits improbables. Qu'est-ce que fait un tonneau au niveau de la cascade? Vous voyez quelque chose? Là. Ok. Donc ça s'est chassé et on a obtenu 3 peaux de biche. Il n'y a pas de dépeçage, de décarissage et tout le tralala. Faut que je trouve ça peut looter de la viande, c'est ça? Effectivement, ça peut looter de la viande. On a un panneau de signalisation. Là, il s'est retrouvé téléporté devant moi, lui. C'est une énigme, ça. Là, je reconnais, c'est une énigme. Pour ouvrir un truc. Alors pourquoi il y avait des projecteurs au milieu de la forêt de Sherwood, ça? Un miroir. J'imagine qu'il faut que je l'envoie là. Et celui-là. Je l'envoie là. Et celui-là. J'en sais rien. Ah, là-dedans. Ah oui, il y a une corde. D'accord, on va faire brûler la corde. Ah non. Non, on est full. Ah non, ça y est, c'est le drame. Ça y est, c'est le drame. Qu'est-ce que je peux vider? Qu'est-ce que je peux vider? Ça? Ah, mais ça c'est des barres d'inventaire aussi? Ah oui, mais si ça, c'est des barres d'inventaire, voilà, moi, on me dit rien. Je pensais que c'était juste une barre de raccourci, pas une barre d'inventaire. Bon, il faut qu'on chasse encore des bestioles. C'est pas obligé, hein, la killcam. On n'est pas dans un FPS. De voir en gros plan comment j'explose le cerveau des biches. J'avoue que c'est pas trop mon truc, en fait. C'était très raté, ça. Bon, il faut qu'on rentre et qu'on livre ça. Prendre soin de sa santé. Oui, bon, tu me dis qu'il y a des potions, c'est ça. Allez, hop. C'est bon, hein, tes tutos, là... Fichu caméra. Oui, bah toi t'étais dans le coin.
Comment je vais là-haut là ? Non mais pourquoi la caméra elle est dans l'herbe ? Quelle horreur ! Alors eux, ils ont été construits avec les plateformes et ils y restent. C'est un peu triste. C'est carrément triste en fait. Comment j'y vais ? Ils ont été construits avec l'arbre. Voilà. Ils sont montés dessus quand il était tout petit, l'arbre, et ils sont restés. Il n'y a pas un panneau là dans le coin. Ça me permet pas de me téléporter. Oh là, il y a des dégâts de chute. Ouais, voilà. Ça, je le sentais bien. Ça me permet de me téléporter dans le panneau. C'est mon chez-moi, ça. Alors, je dois mettre ça dans l'entrepôt. L'entrepôt, c'est là. Non, c'est pas du tout ça. C'est là. Ça, c'est un rangement d'entrepôt. Et je dois mettre la viande de cerf. C'est ça ? Parlez à Tuck. Ouais, mais moi je suis un peu surchargé. Faudrait que j'aille me vider. Sains et cieux, vous êtes de retour sains et saufs, mon bon Robin. Permettez-moi de vous demander comment se passe l'affaire de nos biches. Votre chasse a-t-elle été fructueuse ? Depuis combien de temps nous connaissons-nous pour que vous ayez encore besoin de demander ? Mes yeux ne m'ont pas fait défaut cette fois non plus. J'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il y ait un repas chaud aujourd'hui. Par la Sainte Mère, bien sûr qu'il en sera ainsi. Bien nourris et sous votre direction, ils se mettront bientôt au travail. Que voulez-vous dire par là ? Expansion de notre colonie, bien sûr. Les joyeux lurons commencent à manquer de souffle. Vous êtes entouré de nombreuses personnes loyales et chacune d'entre elles a besoin d'un toit. Plus il y aura de maisons, plus nous aurons de personnes aptes à travailler. Je pense que je sais à quoi vous faites allusion, Tuck. Suis-je devenu si prévisible ? Dans ce cas, je ne vais pas tourner autour du pot. Nous avons besoin de bois pour construire des maisons pour les habitants du village. Nous sommes de plus en plus nombreux chaque jour. Allez, on va... Ah, de la pierre. Ah, la pierre, ça, j'en ai. De toute façon, il faut que je largue un peu coffre de forgeron. Il contient des outils. Nos armures, d'accord, oui. Flèche empoisonnée ? Pas une flèche, ça, c'est une épée. Bon, non, je vais garder les crochets. Mais j'ai pas récupéré mes flèches du coup sur les biches, donc c'était du loot sur les ennemis. J'avais pas des cailloux ? Des cailloux. Il me faut du bois, donc maintenant tu vas me dire d'aller chercher du bois. Oui, les cailloux, tu me dis qu'il faut en récolter là, mais moi je veux aller par là. Je peux pas mettre un... Donc là, j'ai une épée. Ok. Là, je vais aller couper du bois. C'est triste qu'il n'y ait que quelques arbres que l'on peut couper. Genre, pourquoi je peux couper celui-là et pas celui-là ? C'est dommage. Une vingtaine. Je pense que c'est bon, hein.
Je vais en faire un de plus. Ça va vite m'agacer le système de combo sur les ressources. J'avais dit un de plus, mais ça fera un de plus plus. Oui, bah ça va, t'as coupé un arbre, c'est bon. Donc il faut que je ramène tout ça à l'entrepôt de la cabane. Et j'imagine que tout là, c'est où pourra s'étendre mon village plus tard. Construire une maison. Parler à Tuck. Ouais, c'était quelle touche pour passer en construction ? C'est où les tutos? Alors, ferme les armes. N'oublie pas que tu as besoin d'ingrédients. Oui, chaque bâtiment. Oui. Oui, d'accord. Alors, comment je passe en mode construction? Donc tu me dis comment me déplacer en mode construction, mais tu ne me dis pas comment passer en mode construction. Un toit pour tous peut-être ? D'accord, donc un toit pour tous, il n'y a rien. C'est bien parti. Hein. Comment on passe en mode construction ? Attends, tu me dis que je dois aller là-bas. Ah, il doit y avoir un truc à cliquer, d'accord, là. Alors, travailleur 2. Alors, d'accord, on peut construire ça. C'est limité comme construction. Il faut une maison. 200 pièces d'or. Pourquoi ? Déjà qu'on leur construit une maison. Ah oui, on ne peut que les mettre dans les arbres. Voilà. Travailleur disponible, 0. Oui. Comment je quitte là ? Et construire la maison, oui. Alors. Ah oui ! Ah oui, bah voilà, oui, bah voilà, c'est vachement mieux là de. Oula, je crois que je viens de faire tomber un arbre là qui était... voilà, comme ça ils seront pas non plus perdus dans les arbres. C'est construit. Voilà, j'ai vu le nouveau bâtiment, un beau travail. J'ai toujours pensé que la charpenterie était un métier d'exception. C'est vrai, ça a l'air confortable. C'est le moment pour les gens qui vivent là de se mettre au travail. Heureusement, aucun d'entre eux ne s'attend à un dîner gratuit. Nous avons ici quelques spécialistes de la production d'outils, et si vous construisez un four, vous le constaterez par vous-même. Tuck, essayez-vous d'utiliser un stratagème sournois pour m'envoyer dans le bois ? Dieu nous en préserve. C'est quoi le rapport ? Cette fois, direction la carrière. Le four nécessite de la pierre. Extrayez-la et surveillez la construction. Vous ne le regretterez pas, car nous avons besoin des outils. Oui, bon. Pourquoi ? Vraie question, pourquoi on a un tuto textuel là avec plein de pop-up qui s'ouvrent et beaucoup trop de trucs à lire alors que Frère Tuck nous sert de tutoriel beaucoup plus, on va dire, smooth et nous apprend les choses au fur et à mesure. Pourquoi ? Je vois pas. Je dois aller là-bas. Je dois définir le point d'intérêt là-bas. Je ne vois pas mon point d'intérêt. Il est censé être à l'ouest. Là, ah oui, il apparaît derrière le curseur.
Il me faut des pierres. Et je peux vraiment pas ramasser beaucoup de pierres. Ça m'a l'air très rigide en fait, je peux vraiment pas faire ce que je veux. C'est-à-dire qu'il y a que certains arbres qui peuvent être tombés, que certaines pierres qui peuvent être ramassées, que... C'est très 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 spécifique. Ouais mais j'ai pas de pioche. Tu m'as filé une pioche ? Bah non, tu m'as pas filé. Pioche. Pioche. C'est une pioche ça. C'est une pioche ça. On voit pas. Ok, j'ai ramassé la pierre, j'imagine que j'en ai assez, mais dans le doute, on va en faire une deuxième. Voilà, et donc il faut que j'emmène tout ça du roseau. Oui, du coup maintenant, il faut que j'aille là. Donc, sud-ouest. Par là. On va prendre l'arc, hein, je suis pas confiant. Le long de la rivière, a priori. Non, ça se ramasse pas. Ça a une autre couleur, mais ça ne se ramasse pas. Un roseau. Oui, un seul. Ouais, vraiment un seul. Mais pourquoi il y a une caisse là ? J'ai vraiment l'impression... Ils ont posé les trucs en mode ouais, mais ça fait une petite récompense pour le joueur, mais sans aucune logique. Mais vraiment. Le roseau, en fait, il y en a 3 sur la map. Voilà. Là, vraiment, la caisse, c'est juste pour dire oui, mais si le joueur arrive à monter là, il est récompensé. Mais elle a aucune logique ici, la caisse. C'est dommage, ça casse toute l'immersion. Et puis je vais même pas me casser la tête à chercher comment on monte là. Moi je veux aller construire mes outils. On va du coup retourner au village. Je dois faire quoi? Je dois les mettre en stock. D'accord. Ah oui, ça c'est une des maisons arbres. Alors, le stock, il était là-bas. Ok, on met ça, ça. Construire un fourneau, parler à Tuck. Bien, il n'y a rien qui s'appelle fourneau. J'imagine que tu me parles du forgeron. Puis je peux pas me déplacer quand j'ai le bâtiment, faut que je me déplace avant. Nos travailleurs ont besoin de rations supplémentaires pour travailler ? Peignasse. Ouais, donc vraiment là j'ai pas le choix que de le poser comme ça. Mais j'ai pas de rations en plus à vous donner. Si je me fais la vache là, vous avez à manger ? On pourra faire des lingots. Bon sang, j'ai mal partout, Robin. C'est bon de vous voir aussi. Que s'est-il passé? Quelque chose s'est cassé dans mon dos. Je peux à peine me pencher. Mais cela doit être normal à votre âge.
Marianne va vous faire un baume pour cela. À mon âge, vous avez oublié notre rencontre sur le pont ou quoi ? N'oublie pas un coup pareil, mais depuis, je me débrouille mieux dans les combats. Il ne pouvait en être autrement avec un professeur aussi excellent que moi. Envie d'une petite aventure ? Et un ami aussi excellent que toi, John. Well, John Ah oui. Petit Jean, oui. Mais voilà, ça n'a pas été traduit. Alors qu'il s'appelle bien Petit Jean. Quelle aventure as-tu en tête ? Le Petit Jean. Ah oui, d'accord. Rien d'épique. Quelques voyous se sont approchés trop près et ils ont besoin de se faire casser la figure pour ça. Tu es prêt à leur donner une leçon ? Je vais vous montrer où ils sont. Ouais, et puis le... Ça, c'est le problème des trads. Souvent, quand c'est une traduction de l'anglais où il y a juste « you », en français, si les traducteurs sont pas très, on va dire, pas très bons et pas très impliqués dans le projet, il y a un mélange de « tu » et de « vous », ce qui est illogique. Et là, sur les deux phrases, « tu es prêt, je vais vous montrer ». C'est dommage, en fait. On sent que la trad est très bancale. Hein. Je me ferai un plaisir de réchauffer mes os. Et vous, faites attention aux vôtres. Excellent, les dents vont voler. Rendez-vous à la sortie du village. Ok, donc là on doit aller voir du combat, mais on en a déjà vu. Bah écoutez, je pense qu'on a... Pourquoi ? Juste pourquoi ? Je pense qu'on a... On a fait un bon tour de ce que propose du coup cette démo. Alors, a priori, on peut quand même continuer de jouer, mais je pense que je vais vous en laisser un petit peu si vous voulez l'essayer. Que dire ? Il y a des bonnes idées. Honnêtement, le cadre déjà, hein, Robin des Bois, c'est pas forcément beaucoup vu en jeu vidéo, donc c'est cool d'en avoir fait un petit jeu PVE, survie, construction. J'aime bien aussi l'idée. Maintenant, en l'état, sur cette démo, la réalisation, il y a des soucis. Il y a des gros soucis, bon, des soucis de trad, il y a des soucis de tutoriel, il y a des... je trouve des soucis au niveau de du personnage, de son inertie, et même dans la cohérence du monde, hein, comme les caisses de butin qu'on a vues là posées comme ça, par miracle, juste pour récompenser le joueur, je trouve ça un peu triste. Et bon, le trip des killcam aussi, j'espère qu'on pourra les désactiver dans les options, j'avoue que ça j'ai pas regardé. Bref, le jeu a quelques soucis, et puis les ressources, vraiment, tu peux couper cet arbre là, mais pas les 40 autour. Il ouais, y a vraiment des petits points un petit peu dommageables. On est dans une démo, le jeu n'a pas de date de sortie, donc ça se trouve tout ça, ça sera corrigé au moment de la sortie. Hein. Donc c'est pour ça que je souligne un peu les points qui moi m'ont fait tiquer. Mais rappelez-vous voilà, que c'est une démo et que si ça se trouve tout ça, ce sera bien sûr corrigé. En tout cas, il y a des bonnes idées. Je suis curieux de voir comment évoluera le projet. Je pense que j'y rejetterai un œil quand il y aura la version du coup définitive qui arrivera. Et j'espère que bien que les petits soucis là que j'ai relevés seront corrigés. Et du coup, le jeu, je pourrai en profiter pleinement et je pense qu'il sera agréable à voir sur la durée parce qu'il n'y avait pas l'air d'y avoir beaucoup de bâtiments. J'espère que c'est pas la liste complète. Parce que sinon la base elle va être améliorée en quelques minutes et puis on n'en parle plus quoi. En tout cas n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez essayé le jeu et si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à aller télécharger la démo, elle est dispo sur Steam. Si vous avez apprécié la découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.